Salut à toutes et à tous, bonjour à vous les gens, ici J12, bienvenue pour cette fin du précédent épisode, mais surtout pour un nouveau, parce que je vais attaquer la fin de l'épisode d'avant, qui est ma revanche. Mais alors cette partie s'est mieux passée, j'ai perdu aucune unité dans le feu de l'action, et on va faire aussi le niveau suivant, puisque bon, faut bien... Faut bien faire les choses comme il faut. Et celui qu'on doit affronter s'appelle Bernard. L'ermite. Mouah. Une blague à mourir de rire. Voyons voir. Coffre. Un blason Unlan. Ça nous sera fort bien utile, ça. Toutes mes unités sont dans la place. Enfin, presque toutes. Surtout que Marcus arrive. Ça sera bientôt la fin pour toi. Vous avez acquis une épée en argent. Ouais. Bah vous savez quoi? Une épée en argent. Tant qu'à faire. Vaut mieux que ce soit quelqu'un d'assez expérimenté qui l'utilise. Voyons voir comment ça va avec Dorka. Il nous fait quasiment pas mal le coquin. Il est énorme son acier. Ah ouais, mais avec avec Hector, il va vite décéder, hein. En fait, on peut le tuer là tout de suite si on veut. Mais comme tout combattant qui se respecte, on va pas faire ça. On va attendre notre tour bien sagement. Et on va attendre le résultat. Mais a priori, le combat devrait bien se passer. Je suis Bernard, le commandant de Laus. Je veux tester la force de ceux qui ont vaincu Beaucaire. Ok. Bah déjà, si tu rates, ça va pas aller. Bim! Un deuxième coup! Bim! C'est une juste récompense pour la violence de Laus. Ouais. On va dire ça comme ça. Et level 11! Hector commence à être bien niveau. Enfin, on va pouvoir terminer ce niveau, les gens. Grand-père, mais où est grand-père? Lord Ozen, où êtes-vous? Eliwood, là-bas, sur le trône, on dirait du sang. Du sang? Non, c'est impossible. Lindis, calmez-vous. Il n'est peut-être que blessé, il faut d'abord le retrouver. Oui, vous avez raison, je dois rester calme. Regardez là-bas, il y a quelqu'un. Qui va là? Montrez-vous. Leila? Oui, Hector, c'est bien moi. Il y avait une éternité. Vous la connaissez? Oui, elle s'appelle Leila. Elle travaille pour Ozithia, c'est une espionne. Lord Eliwood de Ferrae et Lindis, et Lady Lindis de Kaelin, exact? Je suis Leila, enchantée de faire votre connaissance. Lady Lindis, le marquis de Kaelin est entre de bonnes mains. Mon grand-père est sain et sauf? Il est hors de danger. Ah, je pensais qu'il était mort. Il est hors de danger. Ah, je remercie le ciel. Leila, que faites-vous ici? J'exécute les ordres de Lord Uther. J'enquête sur la disparition du marquis de Ferrae. Mon père, que savez-vous? Suivez-moi, allons parler en lieu sûr. Qu'attendez-vous? Eh bien, venez, Eliwood. Mais
cessez de vous inquiéter, car ça ne changera rien à la situation. Je sais. Ça va, allons-y. Laissez-moi d'abord vous faire part de mes conclusions. Le marquis de Ferrae est en vie. C'est formidable, Hollywood. C'est merveilleux. Êtes-vous formel? Voilà 7 mois que je me fais passer pour un assassin du Black Fang. C'est par ce moyen que j'ai obtenu cette information. Je crois qu'elle est véridique. Le Black Fang? Il s'agit du réseau meurtrier dont Eric nous a parlé. Oui, nous avons que récemment appris leur existence. Dites-nous tout ce que vous savez. Le Black Fang est un réseau d'assassins que Brandon Reid a créé il y a environ 10 ans. Ils sont basés à Biran. Ils ont des contacts influents dans un tas d'autres pays. À l'origine, seuls les nobles qui abusaient de leur position étaient dans leur ligne de mire. C'est pourquoi on les accueillait comme le chevaleresque, défenseur du peuple. Leurs activités étaient largement soutenues. Chevaleresque? Mais il y a un an environ, Brandon s'est remarié. Les opérations du Black Fang ont depuis suivi un autre cours. Désormais, peu importe la cible, ils attaquent et si c'est lucratif. Et ils ne tuent pas seulement des criminels. Les innocents sont eux aussi dans leur collimateur. Le Black Fang est-il responsable de ce qui est arrivé à mon grand-père? Oui. Notre enquête nous a mené jusqu'à un homme mystérieux. Nergal. Il semble très proche de l'épouse de Red. Le Black Fang semble se livrer à des activités secrètes de part et d'autre de Lycia, pour le compte de Nergal. Le bras droit de Nergal et fidèle est actuellement avec le marquis de Laus. Il est parvenu à impliquer Laus dans un complot de rébellion contre Zitia. La première personnalité à répondre à l'appel de rébellion de Laus était le marquis de Santa Rose. Lord Elman? C'est impossible! Le suivant fut Lord Elbert, marquis de Ferrae. Vous dites que mon père a approuvé ce projet? Je ne peux l'affirmer. Je sais juste qu'il est en ce moment avec le marquis de Laus, dans un endroit appelé la Porte du Dragon. La Porte du Dragon? Où est-ce? Sur l'île de Valor, au large de la côte sud de Lycia. Je n'ai pas d'autres informations. Ils sont donc à Valor? J'y entre. De quel genre d'endroit s'agit-il? On raconte que l'île est maudite. Quiconque s'y aventure ne s'en retourne jamais. Si c'est là-bas que se trouve mon père, je dois y aller. Je trouverai la porte du dragon. Je viens avec vous. Je vous préviens, rien ne peut m'arrêter. Moi aussi je viens. Lindis, j'apprécie votre geste, mais ne devriez-vous pas rester avec le marquis de Kaelin? Les projets de Laus doivent être contrecarrés. Sinon mon grand-père sera de nouveau leur cible. Je veux également aider le père d'Eliwood. La perte en apparent est une souffrance que je ne souhaite à personne. Et je ne voudrais surtout pas que cela vous arrive à vous. Lindis, Hector, merci, vous êtes ma force. C'est normal. Nous sommes vos amis. Les amis sont là pour ça, Eliwood. Je vais poursuivre les recherches de mon côté. Nadine Lindis, il serait plus prudent de faire croire au monde que le marquis de Kaelin est mort. Je comprends, merci pour ce bon conseil. De rien, veuillez m'excuser. Leila? Oui? Nergal était fidèle. À quoi ressemble-t-il? Je n'ai jamais vu Nergal. Toutefois, j'ai eu maintes entrevues avec Efidel. Il est sinistre. Il ne quitte jamais la cape qui couvre son visage. Pourtant... Quoi? Ses yeux sont aussi brillants que l'or. Vous le reconnaîtrez. Son regard semble inhumain. Hein? C'est toi, Leila? Mathieu, cela faisait une éternité. Quelle affaire t'amène? Un travail dangereux? Mathieu, nous sommes des espions. Tout ce que nous faisons est dangereux. C'est vrai, un point pour toi. Combien de temps crois-tu que cette mission va durer? C'est toi. Mon objectif est de sauver le marquis de Ferrae. Si tout se passe bien, je serai à Ozitia en même temps que toi. Vraiment? J'aimerais te faire visiter ma ville natale. Tiens, tu es né là-bas? Pourquoi devrais-je la visiter? Je voudrais te présenter à ma famille. Tu veux rire? Mais, Mathieu... Très bien, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Il a disparu sans même attendre ma réponse. Lady Lindis, vous tous, je suis contente de vous revoir. Je pars à la recherche du marquis de Laus. Protégez mon grand-père. Un instant, Milady. Veuillez prendre ce joyau avant de partir. Un joyau?
Nous avons pu le mettre en sécurité avant que les hommes de l'Aïus viennent vider nos coffres. Nous prendrons soin de Lord Ozen. Lindis, je prie pour votre vie, pour que votre vie soit préservée. Je vous remercie. Vous avez acquis une rune de feu. Ah oui, c'est un truc à mettre au sol pour éviter que les unités ennemies n'avancent. Acceptez-vous cette quête parallèle? Oui. Et puis vu que c'est une quête parallèle, on va dire que ça fera partie de l'épisode sur le chapitre 16. Comme ça, ça va. Suite à une discussion avec l'espionne Leila Dozitia, Eliwood comprend qu'un voyage à Valor, l'île maudite, est inévitable. C'est dans cette petite île située à l'extrême sud que se trouve la porte du dragon. Nos compagnons arrivent aux portes du dragon, aux portes de Badon. Ils doivent trouver un passage. Cette mission va être très compliquée, les gens. Écoutez, nous avons besoin d'un bateau pour aller à Valor. Vous voulez aller sur l'île maudite? Vous êtes fous? Impossible, jamais. Aucun marin du village ne voudrait vous y emmener. Je vous en prie, le temps presse. Pouvez-vous nous y emmener? Si vous ne voulez pas nous aider, dites-nous à qui nous adresser. Je vous en supplie. L'affaire est grave, je le vois bien. Il y a peut-être quelqu'un qui dites-le nous. Les pirates. Comment, les pirates? Eh bien, ils n'ont pas froid aux yeux, eux. Ils iraient n'importe où en échange d'une petite rémunération. Qui sait, ils pourraient accepter votre offre. Les pirates? Nous n'avons pas le choix. Hector, vous êtes sérieux? Collaborer avec des pirates? Vous n'y pensez pas. Vous comprenez que nous sommes dans l'impasse. N'est-ce pas, Eliwood? Je crains qu'il n'y ait pas d'autre alternative. Eliwood, vous aussi, vous soutenez cette idée? Vous me décevez beaucoup. Il serait naïf de s'en remettre à la bonne foi des pirates. Je vais trouver un autre moyen. Pourquoi sort-elle de ses gonds? On raconte que les parents de Lydis ont été tués par des bandits. Les bandits sont sur la terre ferme, les pirates sur les océans. Pour Lindis, ce sont tous les mêmes. Des hors-la-loi et des meurtriers. Je vois. C'est la maladie qui a emporté mes parents. Mais je peux comprendre ce qu'elle ressent. Nous faisons donc une croix sur la solution des pirates? Mais... Désolé pour la demoiselle, mais c'est le seul moyen. Allons voir les pirates, nous déciderons à ce moment-là. D'accord. Cette auberge là-bas est le point de rencontre des flibustiers du coin. Ils sont imprévisibles et cruels, soyez très prudents. Prudent. Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi que vous voulez voir? Est-ce vous le commandant de cette armada de pirates? Ha ha ha! Commandant de cette armada de pirates, ça sonne plutôt bien. Vous devez vous entraîner dur, vous aussi, pour être aussi bête, non? Vieil insolent. Du calme, Hector. Si je vous ai offensé, veuillez me pardonner. Comment dois-je m'adresser à vous? Toi, tu me sembles être quelqu'un de posé, hein? Et puis on dirait que tu n'as pas qu'un point chiche dans le crâne. Je suis Fargus, capitaine du Davros. Fargus? Maître Fargus? Ou dois-je vous appeler capitaine? Tu n'es pas des miens, appelle-moi Fargus. Maintenant, dis-moi ce que tu veux. Nous désirons nous rendre à Valor. Vous payez combien? Nous ignorons le prix de passage, vous demandez combien? 100 000 écus. Quoi? 100 000 écus? Alors vous pouvez payer? Nous n'avons pas le choix, mais accordez-nous un délai. Quand nous aurons rassemblé la somme, nous reviendrons. Venez, Hector. Un instant, Eliwood. Eliwood, pas si vite. Où croyez-vous pouvoir dégoter 100 000 écus? Il doit y avoir une arène pas loin, c'est le seul moyen. Quoi? C'est sérieux? Si vous voyez une autre solution, je vous écoute. Non. Vous me surprendrez toujours, Eliwood. Vous avez dit quelque chose, Hector? Non, rien. Je vais remplir mes poches. Alors les gars, vous êtes prêts? Quoi, déjà? Mais nous n'avons pas encore l'argent. Imbécile, bien sûr que vous n'avez pas l'argent. Le capitaine a un message à vous transmettre. Un message? Tous les pirates du village sont prêts à vous attaquer. Si vous parvenez à tous les battre et à atteindre le bateau sans être blessé, il vous aidera à passer. Sans nous faire payer? Le capitaine est un grand enfant. Il préfère s'amuser avec vous plutôt que d'encaisser des milliers d'écus. Que le meilleur gagne. On va dire que c'est une sorte de mini-jeu, mais quand même. Olé les gars, je suis là. Oh mais, serait-ce une bataille? On dirait que c'est sérieux, allons-y.
Écoutez, le capitaine attend au dock. Parlez-lui et ce sera la victoire. Mais n'essayez pas d'attaquer. Ça serait une erreur fatale de mettre le capitaine en colère. Pensez-y. Alors, il y a un moyen assez simple de gagner cette... Mais bon, il faudrait... impossible de trouver un bateau. Et nous devons aller sur l'île. Il va falloir faire appel aux pirates. Comment ? Qu'est-ce que c'est ? Le village est en effervescence. Oh, Lynn, vous venez à point. Nous avons besoin de votre aide. Vous combattez les pirates ? Nous nous battons et nous devons regagner les docks et parler au capitaine. Si nous réussissons cette épreuve, il nous mènera jusqu'à lui. Je n'y comprends rien, mais je vais vous aider. Bah ouais, t'arrives après la bataille, ma petite. Donc... Bah, on va dire que... Bon, Priscilla a déjà eu... On va prendre Sera, plutôt. On va prendre... Au lieu de prendre Guy, on va prendre Florina. Au lieu de prendre Bart, on va prendre Dorca. Et au lieu de prendre Erk, on va prendre... on va prendre... Qui est-ce qu'on peut prendre ? On va prendre Saint. Voilà. Alors, au niveau des échanges, on a pas mal de trucs. Alors, je sais pas quand j'utiliserai la mine, personnellement. Quoique, ce serait une bonne idée d'utiliser la mine dans cet endroit. Je sais pas, personnellement. Non. Ça, on s'en fout. Pour le blason héros, ça sera pour plus tard. La clé de coffre, on n'a pas besoin dans ce niveau. La clé de porte, on n'en a pas besoin non plus. Au niveau de la massue, on la donne à Dorca. Alors, le blason Ulan. On va donner la lame de fer à Lindis, tiens. Avec... qui est-ce qui est sur le point de passer un niveau ? Ah, il y a Lowen qui est sur le point de passer un niveau. Ah non, Oswin. Ah oui, faudra bien conserver nos items. Donc ça c'est fait. Ah, il y a un dernier truc à faire. C'est qui déjà qui devait... Je me souviens plus, c'est qui devait changer de matos. Ah ouais, c'est Lowen. Ah, on peut pas acheter. Très bien. Pouf. C'est quoi ? La lame de fer, on va finir par la prendre et la donner à Lowen. Le terrain. Alors, pour ce qui est du terrain, c'est bien simple. Je pense que... Au niveau... Ouais, donc ça, on va mettre ça là. Sauvegarder. Et c'est parti, les gens. Myrnus passe au niveau 7. Oui, déployer la tente de Myrnus. Alors, pour commencer, on m'a parlé du défi que vous avez lancé à Marcus, le capitaine des pirates. Vous n'avez pas froid aux yeux. Laissez-moi vous donner un conseil. N'essayez pas d'affronter les pirates. Empruntez la ruelle située tout près d'ici, puis longez le mur jusqu'à la mer. Passez devant la dernière maison et restez près de la digue. Rejoignez Farbucus pour remporter cette épreuve. Comment je sais tout ça ? Mon amoureux est pirate, il s'appelle Jack, et lui, et c'est le meilleur.
D'accord. Si vous le voyez, dites-lui qu'Anna s'inquiète pour lui. Au passage, cette PNJ là à qui on vient de parler, on la rencontre dans... Bah, en fait, on la voit quand on a des messages du style « Voulez-vous arrêter ?» un truc comme ça. On va dire que c'est un personnage, on va dire, à moitié transparent. Les pirates sont quand même balèzes hein, dans ce niveau. Hein. Enfin, toutes les unités en général. Je vous laisse regarder. Ils sont level 10, 12, enfin c'est un truc de... Un truc assez... D'ailleurs, leur général, c'est un berserker avec une lâche étale, dommage 35. Bref, vaut mieux pas s'attaquer à lui. Hein. Je vous le dis direct, c'est pas une bonne idée. Même Marcus pourrait se faire tuer facilement contre lui. Alors, ici... non, c'est pas une bonne idée. Ouais. Il y a mieux, mais ça passe quand même. Vaut mieux pas. Ah, j'hésite, hein, franchement. Bon, c'est tentant. Après tout, on risque rien. Bon, je m'en doutais. Mais bon, ça coûtait rien de le faire. Très bien, donc on va pouvoir continuer. Alors, on va pouvoir continuer avec Marcus. Pour l'ONC, c'est pareil. Et puis on reste là. Ah oui, il y a le... Quel spectacle intéressant. Nous pourrions intervenir. Lord Hollywood de Ferraille. Vous ne semblez pas avoir peur du Black Fang. Tremblez car je vais vous enseigner cette peur. Ah oui, merde. Effectivement, ouais. Ça pue un peu. Je m'en souvenais plus de lui. Il a un fer létal. Ouais, il a l'air de faire pas mal de dégâts. Et il s'appelle comment déjà? Membre du bluff, hein, pour chasser Hollywood. D'accord. On va peut-être remettre Marcus, histoire de protéger nos troupes. Parce que... Voilà, il est quand même bien escorté. Hein. Ça rigole pas trop. Ah bah il bouge pas en fait. Donc c'est bon, on peut y aller. Heureusement que j'ai pas avancé Florina un peu plus. C'est quand même bizarre que l'autre il avance pas. Yeah, Florina va pouvoir gagner plein d'XP, ou presque. Normalement, si tout se passe bien, Si tout se passe bien, normalement, on devrait non seulement pouvoir récupérer quasiment la totalité des maisons. Voilà, comme ça. Mais en plus, on devrait pouvoir gagner cette bataille.
Il a pas l'air de nous remarquer, donc fonçons. Est-ce que cette épée vous intéresse? Il s'agit d'un brise-lance. C'est une formidable épée qui s'utilise contre les lances. Toutefois, elle ne fait pas le poids face aux haches. Alors prenez-la, vous allez sur l'île maudite, pas vrai? Partez en cachette par l'arrière du magasin. Descendez ensuite dans la ruelle. Bonne chance à vous. Vous devez être bien brave pour vous aventurer dans un endroit pareil. Prenez ce bâton. Utilisez-le pour endormir ceux dont la résistance magique est plus faible que la vôtre. Les pouvoirs de ce bâton dépendent de son maître. Ces pirates ont l'air de monstres enragés. Ce bâton peut vous aider à vous enfuir. C'est Saligo. Je les aurais ignorés s'ils ne s'étaient pas approchés. À l'attaque, les gars. Ah, mais là, normalement, tu m'aurais pas repéré, hein. Je peux lui parler, donc on va pouvoir finir la mission. Visiter. Excusez-moi, je viens d'avoir une discussion avec un vieux marin. Il m'a dit que vous projetiez de vous rendre à Valor, c'est vrai? Vraiment? C'est pour ça que vous jouez au chat et à la souris avec ces pirates? Je vois. Dans ce cas, est-ce que je peux me joindre à vous? Mon nom est Canas, je suis un savant. Je cherche désespérément un moyen de regagner Valor. Mon offre vous semble égoïste, n'est-ce pas? Mais sachez que je peux être très utile au combat. Je maîtrise la magie ancienne. Certains l'appellent la magie noire. Mais je trouve cette appellation tellement péjorative. Encore un mot que je connais pas ici. Quoi qu'il en soit, je peux me défendre. Et je peux aussi être utile aux autres. Il a quoi au fait? Il a un flux et un tome secret, donc ouais. Pourquoi pas? Ce chemin mène à la mort. Les pirates vous attendent. Vous feriez mieux de trouver un autre chemin. Vous avez pris tellement de risques pour venir jusqu'ici, je ne peux pas vous laisser repartir les mains vides. Prenez cette hache, une belle arme, vous ne trouvez pas? Mais elle est maudite. C'est une arme puissante, mais si un malheureux venait à l'utiliser... Ce serait terrible, terrible, ne l'utiliser qu'en dernier recours. La fameuse hache noire, une arme plutôt puissante pour ce qu'elle fait, mais qui malheureusement peut nous faire ses dégâts à nous-mêmes. Regardez la puissance de cette arme. Force 18. Oh, la puissance de cette hache peut blesser son utilisateur, bah oui. Et ses dégâts évidemment vont sur nous. Donc comme l'a dit le vieux monsieur, à utiliser qu'en dernier recours, si on pour compter la chance. Alors je pourrais aller visiter l'autre maison, mais je préfère finir la partie tout de suite. Voilà, fini. Vous avez donc réussi. Mais cela n'a pas été très facile. Donc, vous allez nous aider à présent, n'est-ce pas? Je suis un homme de la mer, je tiens toujours ma parole. Mes yeux fatigués hallucineraient-ils? Cette beauté est-elle vraiment avec vous? Wouah, magnifique! Écoutez, je comprends vos réticences, mais vous devez accepter la situation. Nous n'avons pas le choix. Je le sais bien, vous m'avez entendu protester? Non, juste souffler. Nous pouvons maintenant aller sur l'île maudite. Père, tenez bon. Cet épisode, maintenant, les gens, est fini. Donc voilà, on aura fait la fin de l'épisode d'avant, plus une quête parallèle. On va dire que ça fait un épisode entier. Donc ça fera l'épisode pareil, mais en partie 2. Donc cette vidéo est finie, c'était Gius pour vous servir, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve pour le second épisode, plus tard, de Fire Emblem. Ciao les gens, et peace.